Alors, voilà. Voilà, moi, je suis revenu ici, chez moi avec mon Irevo. Ma petite boutique qui est près de chez moi, il m'a changé les deux serres aux origines qui sont là. Il m'a changé les deux, vu qu'apparemment, quand il les a testés, c'était celui de droite qui fonctionnait plus et celui de gauche qui fonctionnait encore. Mais comme là, ici, ils sont mélangés, je ne sais plus lequel des deux qui fonctionne encore. Si je sais qu'il y en a un des deux qui fonctionne plus et l'autre qui fonctionne. Donc il faut que je la teste mettons sur une voiture ou sur un récepteur ou autre pour que je voie lequel qui fonctionne et lequel qui fonctionne plus. Enfin bref. Là, il m'a mis des. Il m'a changé. C'est ça, c'est plus. Il m'a changé les deux cerveaux. Ça, comme ça marche par paire, donc il m'a changé les deux cerveaux et il m'a mis des cerveaux digital. Il m'a mis des cerveaux DES, enfin C2S 700 BBMG de Gropner. C'est Gropner qui fait ça. Donc là, c'est des cerveaux digital cerveau DES 700 BBMG. C'est Gropner qui fait ça. Il m'a laissé les boîtes parce que il y a encore des palonniers de cerveau. Là, c'est pareil, il y a encore des palonniers de cerveau qui sont là. Là aussi, dans l'autre boîte. Donc, voilà. Et cerveau, toi, cerveau comme ça, Gropner, il faut compter un peu plus de 40 euros. Chez lui, bien sûr. Et avec, il m'a donné aussi pour tester, pour contrôler ces acculades de Traxas avec les prises ID comme ça. Il m'a donné un adaptateur. Vous branchez il suffit que je branche la batterie au connecteur Traxas qui est là, avec différents adaptateurs qui sont là, et puis les autres adaptateurs qui se trouvent en dessous là. Donc voilà, ce jeu d'adaptateur, ça coûte 13-14 euros quoi. Donc voilà. Après, les deux cerveaux d'origine, ils sont là. J'ai même regardé sur RCTeam, un cerveau comme ça d'origine Traxas en 2075, il faut compter une quarantaine d'euros. Donc ça coûte la peau du. Hein? Du cul. Mais par contre, il faut que je les reteste et il faut que je les recontrôle pour savoir lequel des deux qui fonctionne et qui ne fonctionne plus. Maintenant ils sont mélangés, maintenant je sais plus lequel qui fonctionne et lequel qui fonctionne plus. Parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que comme il y avait celui de droite, comme il y avait celui de droite qui fonctionnait plus, bah du coup ça faisait chauffer, ça faisait travailler autre. Donc ça faisait celui de gauche, ça faisait chauffer, comme celui de droite il fonctionnait plus. Donc du coup, comme celui de droite il fonctionnait plus, ça faisait travailler celui de gauche et ça faisait chauffer. Mais là, il faudrait que je les contrôle, que je les sur un récepteur d'une voiture ou autre, pour voir lequel des deux qui fonctionne plus et qui fonctionne. Pour que je sache. Parce que le jour où j'aurai besoin d'en racheter un comme ça, ou même un. Ouais. Parce que là, si vous voulez, ils étaient bien avec des pignons, mais pignons plastiques. Et je peux vous assurer que. Moi, je le sais, je les ai vus quand. Quand tu me les as installés, moi je les ai vus quand tu me les as installés. Pardon. Excusez-moi pour la bougeotte. Ben, ce qui m'a installé, c'est des pignons métal. C'est des cerveaux Gropner DES, enfin DES 788 MG. Gropner, ça c'est marqué en plus. C'est des pignons métal, celui-là. Ce qui m'a mis là, c'est pignons métal. Donc voilà. Je serais peut-être plus tranquille avec pignons métal. Ouais. Hop. Voilà. Donc voilà les amis. Et aussi, j'ai vendu des voitures. J'en ai vendu, j'ai vendu 6 ou 7 anciennes voitures. J'ai vendu une 306 thermique,
avec des marges électriques. J'ai vendu 3-4 autres voitures anciennes électriques. Donc voilà, il y a plus de carton. C'est la voiture qui était sur le carton, elle, maintenant elle est là. Elle est là. Avec son chargeur et puis ses batteries, ça, machin, que j'ai mis comme ça en attendant. Hein, en attendant, je mets ça comme ça. Et maintenant, vous l'avez ici, parce qu'avant il y avait, juste à côté de l'X-Max, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un petit crawler. Ben, le petit crawler, il est parti, je l'ai vendu. Et maintenant, à la place, j'ai mis. Et maintenant, à la place, j'ai sorti de sa boîte le slash 4x4 Fox à côté du X-Max. Voilà, les amis. J'ai deux servos tout neufs sur mon iRevo 2 maintenant. Mon gros pneu. C'est des DS, comme j'ai dit, DES 700 BBMG. Avec pignon métal. Je sais parce que je les ai vus quand tu les as montés. Je les ai vus quand tu les as montés, c'est des servos avec pignon métal. Alors que d'origine, c'est pignon plastique. Donc voilà. Mais à l'occasion, faudrait que je la reteste sur un, mettons sur un transmetteur, sur un transmetteur, mais un. Oui, un récepteur de voiture, pas de traquenard, parce que sinon ils sont protégés dans leur truc, dans leur boîtier. Mais il faudrait que je les contrôle sur quelque chose, parce que avec ces fiches-là, je vois pas comment je pourrais les contrôler autrement. Voir si c'est celui-là qui fonctionne ou c'est celui-là, ou le contraire. Donc voilà. Voilà. Maintenant, c'est plus les cerveaux traxas qui sont dessus, c'est des cerveaux gros pneus, comme je vous l'ai dit, c'est des cerveaux gros pneus DES 707 BBMG. C'est gros pneus qui fait ça, comme je disais tout à l'heure sur la boîte. Hein, c'est gros pneus qui fait ça. Donc voilà. Là, c'est aussi bien pour avion, bateau, voiture. Derrière il y a marqué, c'est pas marqué en français, mais spécification, c'est des torques 4 volts 8 approximatif, que ça veut dire 113 NCM, torque 6 volts, à 150 NCM. Après, c'est speed 4,8 volts approx, machin, 0,17 secondes sur 40 degrés, je pense que c'est degrés. Speed 6 volts approximative, 0,14 secondes, 40 degrés. Et weight approx, ça va être le poids du cerveau, je pense, c'est 54 grammes. Allez voir ces cerveaux là. Ces cerveaux à pignon métal. Je le sais parce que je le sais parce que je le sais parce que vous allez me dire comment je le sais que c'est pignon métal. Bah parce que j'étais à côté de lui quand il les a changés. Quand il m'a mis les cerveaux gros pneus noirs là, comme je vous ai parlé tout à l'heure, et que j'ai encore les boîtes. C'est les cerveaux à pignon métal. Et puis lui, de toute façon, il me l'avait dit par téléphone quand je l'avais appelé juste avant de venir. C'est des cerveaux à pignon métal. Donc là, je serais peut-être plus tranquille avec des cerveaux à pignon métal que des cerveaux d'origine comme ça avec pignon plastique. Enfin. Donc là. Oui, vous voyez bien que c'est pas les mêmes fils. Hein. Les fils, il y a un orange, rouge et marron. Nous, on l'a branché sur le récepteur d'origine, forcément. Hein. Donc il m'a tout réglé. Il m'a même réglé, c'est parce qu'au début, ça tournait pas dans le bon sens, mais il m'a réglé ça aussi sur le setup de la radio. En faisant un setup de la radio, en rentrant dans les menus de la radio, il m'a réglé ça aussi. Il m'a réglé aussi le truc, la barre de direction ici, là.
Mais on va régler ça aussi. Donc voilà. Voilà. Elle va pouvoir rerouler cette Irevo. Bon, voilà, à la prochaine.